Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour un nouveau Tour de France, un de mes derniers sur le jeu Tour de France 2013. Et je vais prendre l'équipe Europcar que j'avais déjà prise avant la mise à jour avec Kern pour une sorte de défi de remporter le Tour de France avec lui, avec une des premières fois où j'utilisais la technique de l'échapper en Corse. Donc j'avais gagné avec Kern, mais je m'étais donc focalisé sur lui. Là, je vais faire un Tour de France un petit peu plus réaliste, entre guillemets. Mon leader sera Pierre Roland, qui dans la réalité là vient de faire une belle quatrième place au Giro. Donc il est grimpeur argent hein, après la mise à jour, 78 en montagne, c'est très bien. Par contre en contre-la-montre 65, donc il va vraiment falloir assurer en montagne par rapport à tout le temps qu'on va perdre au niveau des chronos. Ensuite, bien évidemment, je prends le puncher argent Vauclair, l'expérimenté coureur Europcar qui va viser a priori quelques victoires d'étape, ainsi que le tout jeune sprinter Brian Cocard, sprinter argent, qui va essayer de bien figurer pour les sprints massifs. Et j'aurai également une opportunité en termes de baroudeur, donc que je glisserai dans les échappées. Le seul étranger, car tous les coureurs sont français dans la sélection que je prends pour Europcar, sauf cet homme, Arashiro, très bon baroudeur, donc que je vais souvent envoyer en échappée, avec un sprint intéressant à 72 ainsi qu'une accélération à 74 et du plat à 73. Je pense qu'il va viser quelques victoires d'étape, au moins une. Ensuite, j'ai pris deux coureurs pour le contre-la-montre par équipe, Kern qui a 74 et Gaudin qui a 71, qui peut aussi peut-être tenter de l'échapper, Gaudin, avec ses 75 en baroude. Ensuite, j'ai pris Sébastien Chavanel, le sprinter expérimenté qui aidera Cocard dans les sprints passifs éventuellement. Et enfin, j'ai pris deux coureurs de deux classiques que sont Sébastien Turgeot avec un 71 en baroude, 74 en plat, un 70 intéressant en sprint, et Alexandre Pichot, qui lui par contre en baroude n'est pas terrible avec 65, mais c'est pas grave, je vous glisserai peut-être dans des échappées, on verra. Et 71 en sprint et accélération, c'est pas mal. On se retrouve tout de suite pour la première étape. Juste avant de se retrouver pour la première étape de ce tour, je vous propose d'abord une rediffusion du Paris-Nice que j'ai fait avec Vauclair, pour le coup, en leader. Thank you.
de Vauclair au Paris-Nice, je vous propose à présent une rediffusion du Critérium International, où j'ai encore pris Vauclair pour leader en attendant le Tour de France. Thank you.
au Critérium, après le Paris-Nice, un petit peu avant, on va pouvoir se retrouver sur la première étape du Tour. Et nous voici à 6 km de l'arrivée à Bastia, première étape de ce Tour. Je suis avec Cocard et là, j'ai demandé à Sébastien Chavanel de lancer le sprint. Je ne suis pas dans sa roue, c'est dommage, mais de toute façon, on n'a qu'une égo à l'avant qui va peut-être s'imposer. Hein. Il a encore 50 secondes d'avance. Alors, je vais prendre un ravitaillement. Allez, il faudrait que Sébastien Chavanel continue son effort là. Moi, je vais me mettre dans la roue, quoi qu'ils vont pas assez vite là. Allez, Sébastien Chavanel, c'est bon. Là, je suis dans la roue des sprinteurs. Cunego à 30 secondes d'avance, il va pouvoir s'imposer hein, normalement. Allez, je prends mon dernier ravitaillement. Ah non, il ne va pas s'imposer, Cunego. Attention, il ne faudrait pas qu'il nous gêne. Cocard qui lance le sprint. Allez, 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 allez. Il y a Sagan là devant, il y a Christophe. Et Cocard qui fait une cinquième place quand même pour ce premier sprint massif, première étape de ce Tour de France. Et on se retrouve à Ajaccio, à 11 km de l'arrivée, avec Flecha à l'avant, 1.26 devant. Et moi j'ai pris Pichot pour cette étape. Ah, je me fais coincer là, c'est dommage. Par le train Omega Pharma Quickstep. Pichot qui va tenter quelque chose là, faire jouer ses qualités de puncher dans ce final avec cette petite difficulté là, qui peut lui être favorable même s'il n'a pas d'énormes statistiques en vallon. Et j'ai bien peur que Flecha, avec ses qualités de baroudeur, lui, arrive à s'imposer, on va voir, mais bon. À la veille, je pensais que Cunego allait s'imposer. Finalement, il s'est fait rattraper dans le final. On va bien voir ce que ça donne. En tout cas, une petite attaque de Pichot, là, qui a fait quelques petits écarts. On va se retrouver plus loin. On se retrouve à 2 km de l'arrivée. Pichot, qui ne reviendra pas, a priori, sur Flecha, qui est toujours 30 secondes, plus de 30 secondes devant. On passe sous la flamme rouge. Même au niveau du jaune, ça va être délicat pour Pichot. Allez, on sprinte quand même pour l'arrivée, pour la deuxième place. Belle deuxième place d'honneur de Pichot à Ajaccio. On se retrouve à Calvi, dernière étape corse, avec Vauclair là, dans le final. Et on a quelques échappées là, Yverte en particulier. Il va donc falloir, avec Vauclair, faire une petite attaque de puncher là pour espérer bien figurer dans cette étape. Un profil qui pouvait tout à fait lui correspondre hein, avec ce final et cette petite côte. Seulement Yverte a bien géré. On va rejoindre Rui Alberto Costa. Le maillot jaune, qui c'est le maillot jaune? Il doit être un peu lâché peut-être parce que je vois pas trop le temps descendre. Il y a des coureurs qui n'arrivent plus à suivre le rythme. Ah, il y a Froome qui s'accroche là. Allez, Vauclair qui continue. On le voit passer là, Yverte en haut. Dans les derniers lacets, juste avant le sommet, dans le dernier kilomètre. Échappé la position belle au bout, les gars. Faites attention au contre. Qui c'est qui s'accroche bien là? C'est Rodriguez qui s'accroche bien à Vauclair. Jonathan Yverte qui vient de passer au sommet de la petite difficulté. Derrière, ça craque quand même pas mal. Allez, c'est la descente là, il faut bien assurer pour espérer revenir sur Yverte. Allez, on relance. Et à 3,5 km de l'arrivée, Vauclair qui est revenu sur Yverte quasiment. Il n'est plus très loin, là on le voit. Je vais d'ailleurs, non pas tout de suite, je vais garder mon gel, d'abord une petite accélération. Et derrière le peloton à 1,23, on prend le gel avec Vauclair,
qui vient de passer Yverte, c'est la flamme rouge. Les autres sont, il y a Rodriguez et Costa intercalés. Il y a quelques coureurs intercalés. On fera le bilan à la fin. Attention, Yverte qui a fait le sprint là, mais Beauclerc qui est quand même plus fort sur cet exercice. Et voilà, victoire, première victoire pour Europcar avec mon puncher Beauclerc devant Yverte à la dernière étape corse de Calvi. Enfin, après avoir fait une cinquième place avec Cocard sur la première étape en sprint massif, contrer l'échappée avec Pichot pour arriver seulement deuxième à la deuxième étape. Voilà, Europcar qui décroche sa première victoire et par une de ses deux stars, Beauclerc, le puncher expérimenté, qui s'impose là dans son exercice de prédilection. L'attaque dans le final, quand c'est un peu ballonné, il s'empare également, je suppose que c'est lui, oui c'est forcément lui, qui s'empare du maillot jaune. On va faire un petit bilan après ces trois premières étapes corse, avant de rejoindre la métropole et l'exercice délicat pour Europcar du chrono par équipe à Nice. Parce que là je crois qu'il y a eu quelques petits accidents, en tout cas quelques petites cassures. On va regarder Beauclerc qui s'impose sur l'étape dans le même temps Yverte, Rodriguez et tout le monde, en tout cas tous les favoris on dirait à 45 secondes, j'ai eu peur que pour Roland un petit peu. Et est-ce qu'à 2,43 on retrouve quelques prétendants, quelques favoris? Il y a quelques sprinteurs déjà, Degen Kolb, Cocard, Moigny, Cavendish, Kittel, oui les sprinteurs sont là. Autrement, en termes de favoris, pour le moment, je n'en vois pas. Non, finalement, a priori, pas de dégâts auprès des leaders d'équipe dans cette cassure assez importante. Bon, malheureusement, on dit Schleck, comme souvent. Kwiatkowski, que j'ai toujours pas bien réorthographié. Ok, donc pas de gros favoris pris dans cette cassure. Ce qui nous donne donc pour le moment au niveau du classement général, Beauclerc qui s'empare du jaune avec cette première victoire d'étape pour Europcar à Calvi. 10 secondes devant Flecha, 45 secondes après devant les autres favoris. Voilà, à plus tard.